Alors, initialement, je suis un petit peu taraudé par un sujet. Je ne sais pas si je vais le présenter parce que je pense qu'il n'est pas terminé. Ce sujet concerne. Ce sujet concerne l'égalité. Mais je ne sais pas si. Si je vais le présenter. J'aurais voulu peut-être élaborer sur l'étude qu'a fait Manuela en une sorte d'exercice collectif. Je pense que peut-être que c'est par là qu'on va aller. En tout cas, je vous demande de vous mettre à genoux et puis on va demander à Dieu. Sa guidance. Père éternel, nous voici vidés de nous-mêmes, en te demandant de vraiment nous diriger. Nous avons besoin de ta direction, Seigneur Dieu. Nous avons besoin que tu restaures notre entendement, notre écoute et notre compréhension. Nous te demandons d'être aussi avec les jeunes enfants, Seigneur Dieu, qui ont aussi, qui ont aussi école. Nous te demandons de les nourrir aussi bien que nous. Guide-nous, je t'en supplie, Seigneur Dieu, te réclamer ton Esprit Saint, afin de parler de ta part, afin de comprendre et d'entendre, mais surtout, Seigneur Dieu, d'obéir. Entendre, Seigneur, de la trompette qui sonne. Savoir qu'est-ce qu'il faut faire, si c'est un rassemblement, si c'est un départ en guerre, si c'est une préparation. Nous te demandons de nous éclairer, nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur Dieu. Nous avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. On va peut-être se diriger vers une étude simple sur nous. Et pourquoi ne pas utiliser le mot trompette? Si vous vouliez étudier les trompettes, qu'est-ce que vous feriez? Et nous allons le faire en grandeur nature. Nous allons le faire, et comme ça permettra peut-être à Manuela de labourer là-dessus, et nous serons peut-être ensemble. Vous voulez étudier les trompettes? Laurence, qu'est-ce que tu feras? École du sabbat, alors moi je suis à l'aise dans cet exercice, pour poser des questions, même si je n'ai pas les réponses. Alors il y a une volontaire qui te donne un petit peu de temps pour réfléchir. On y va. Donc je vais peut-être rester à ma place, parce que ça va donner le tournis aux internautes. Regardez à quoi ça ressemble. Une trompette, c'est-à-dire, précise ta pensée. Elle dit, Guylaine, de regarder à quoi ça ressemble. Bah, quelle est la forme de la trompette, à quoi ça ressemble? C'est la première chose que j'ai été faire, regarder à quoi ça ressemblait une trompette. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut identifier la trompette. C'est que c'est pas vrai. Mais tu peux effacer. Non, on efface pas. Pourquoi il est bloqué, Charles? Attends, on va faire beaucoup plus. C'est pas comme ça. Voilà. Tout comme. On fera l'exercice inverse tout à l'heure. Quand... Voilà. Alors, bon, premier et deuxième, je ne sais pas qui c'est. Voilà, c'est passé. Alors, premièrement, Guylaine, tu étais là quand Gladys, elle a fait. Non, tu n'étais pas là. Elle a fait concernant les... C'est quoi elle nous a entretenu, Gladys?
vous rappelez de la dernière étude de... C'était... Non, c'est pas des lignes de fond, c'était quoi? On commence avec la ligne de succès. Bon, pas grave. Donc, Guylaine, tu dis, toi, tu regardes à quoi ça ressemble. C'est-à-dire quoi? Parce que je ne comprends pas. Tu... Visuellement. J'ai besoin visuellement de savoir à quoi ça ressemble une trompette. Comme la Bible me parle de trompette, et je me réfère à l'Israël ancien, et je me dis à quoi ça ressemblait. À quoi ça ressemble? Je suis en anglais en même temps. À quoi cela ressemble? Cela ressemble. À quoi cela ressemble? Donc, vous voulez utiliser un thème, enfin, chercher sur un thème, et donc vous regardez à quoi ça ressemble. Alors, c'est l'aspect visuel en fait. Non, c'est la partie trompette. Hein. Oui, c'est sur un thème. Voilà, non, voilà. Oui, mais voilà. Trompette, c'est un thème aussi. Oui. Donc, ceux qui servent pour la trompette devraient pouvoir servir pour autre chose aussi. Non? Pourquoi tu regarderais à quoi ça ressemble si tu... Parce que la trompette, c'est un objet. D'accord. Cet objet, ok. C'est un objet. Un objet. Est-ce que tu te sers d'une règle nominale, par exemple, pour avancer dans ton étude? Tu dis, c'est-à-dire que tu veux étudier ce terme-là, ça, enfin, étudier ça avec les enfants, tu les montres, tu captes leur attention par... c'est ça? Et après ça, je vais chercher dans la Bible, quand est-ce qu'on parle de la trompette pour la première fois? Alors, la primo mention, règle... non, c'est pas ça. Donc c'est un objet, tu as dit, et tu regardes après la première mention. La première mention. Vous feriez tous comme ça? Non. Ce que j'allais dire, j'aurais été voir dans mon livre tout ce qui est écrit sur la trompette. Les trompettes, la première mention et les autres, toi tu dis. Non seulement la première, mais les autres. Oui, pour moi, c'est tout ce que je trouve sur les trompettes pour voir si ça relate à la même chose. Et les autres. Mais comment tu vas... Pardon? Tous les passages qui ne parlent de trompette. Alors, tous les passages. La première mention et les autres. Ça vous va comme mm-hmm. Règle? Ok. What else? Quoi d'autre? Quoi d'autre? On va le faire, hein, parce que je suppose que si j'ai vu Manuela balancer des textes à droite, à gauche, je me disais, mais comment elle fait en fait? Parce que moi, quand je me retrouvais seul devant ma Bible, et devant mon ordinateur peut-être, dans mon logiciel, comment je vais faire? C'est toujours les mêmes questions qu'on se pose. Hein. Comment je vais appréhender cela? Pourquoi l'utiliser-t-on? Pourquoi utiliser la trompette? Donc tu te poserais cette question? Pourquoi utiliser-t-on la... Utilisait-il la trompette? Tu veux dire à quoi ça sert? Alors, Guylaine, ton premier argument, ta première initiative, regardez à quoi ça ressemble. Alors, où ça peut t'emmener? Où est-ce que ça pourrait t'emmener? Enfin, où est-ce que ça t'a l'air emmené? En fait, ça m'a permis de voir à quoi ça ressemblait. Yeah. Le chauffard. Et ensuite. Donc, tu dis, c'est un chauffard. Mm-hmm. Vous avez entendu le terme qu'elle a employé? Un chauffard. Un chauffard. Donc, quand tu tapes trompette, alors comment tu as fait. Parce que si je tape trompette, moi je. Bon, alors c'est. Comment ça s'appelle? Manuel me disait non, c'est, je ne joue pas la trompette, je, c'est un corps qui m'a dit. Ah ouais, c'est vrai.
On m'a dit, c'est pas une trompette, c'est un corps. Donc, effectivement, regardez à quoi vraiment comment ça se ressemble. Alors, donc, quelle image que tu as eue et où tu l'as eue? Dans la Bible, et ensuite, je suis allée sur la Lune. Tu as vu une image dans la Bible? Non, j'ai regardé dans la Bible, et ensuite, je suis allée sur la Lune. Donc, alors, tu m'as dit, donné la chose inverse. Tu m'as dit, tu regardes à quoi ça ressemble d'abord, et ensuite, tu regardes la Bible. C'est ça que tu m'as dit, hein. J'ai une mémoire. Donc, cet objet, la première mention dans la Bible, c'est ça? Bible. Et après, tu vas être regardé sur Internet. C'est ça? Ah non, elle a fait le contraire. Parce que à quoi ça ressemble? C'est pas dans la Bible que je... Non, mais elle s'est rectifiée. C'est bien ça. Donc, tu regardes le mot. Pardon? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu trompette. Dans la Bible, j'ai regardé ce que c'était. Et j'ai été regarder le côté historique. D'accord. Donc, et la voix des gens. D'accord. Ok. Moi, ça me va. La force, ça se fait. Ok. Alors, trompette. Quand vous tapez trompette, alors ceux qui ont déjà le logiciel, vous allez m'aider. Et comme ça, on va essayer de regarder. Est-ce que ça nous emmène peut-être dans un autre sens ou dans un sens supplémentaire à Manuela? Première, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de trucs, Béatrice, est-ce que tu peux me dire, quand tu cherches trompette, qu'est-ce que ça te donne comme verset premier? Alors moi je dis trompette au pluriel. Alors voyez un petit peu ce qu'elle dit, qu'elle précise. Le mot il peut être au pluriel ou au singulier. Voyez un petit peu déjà la difficulté. Donc ça veut dire, dans votre champ de recherche, vous allez mettre trompette. Trompette. Et aussi pluriel ou singulier. Des fois, il faut mettre le mot au féminin. Enfin, comment dirais-je? Au singulier ou à une forme conjuguée, ou ouais, pour un peu. Pardon? Pas conjugué, conjugué, ça. Par exemple, moi, quand j'ai voulu commencer une étude sur l'égalité, si tu mets égalité, tu vas avoir un certain nombre de résultats. Si tu mets égal sans, avec L à la fin, tu as un certain nombre de résultats. Si tu mets égal ES, tu as encore d'autres résultats. Donc, voyez un petit peu, il faut jouer un petit peu avec ça. Je le dis parce que c'est des petits. Pardon ? On met étoile. Voilà, on met étoile, voilà. Mais bon, voilà. Ou étoile, voilà. Alors, donc, elle nous a dit en regardant, elle a vu que ça, c'est un chauffard. Comment ça s'écrit chauffard encore ? Je ne sais pas que de. Chauffard. Enfin, je sais pas. Ah, chauffard. S-O-F-A-R. A-R. Un seul F. Un chauffard. Ah, oui. Tu trouves autre chose? Il n'y a pas de H? Non, il n'y a pas de H. Ah oui, tu veux dire ici, là? C'est un CH. S-H. S-H. C'est ça que j'ai mis. C'est F. Michel, tu as quoi, toi? Ah, le mot chauffard. C'est toi? Comment tu l'écris? S-H-A-R. Et toi, Marie-Michel? Non, c'est pas moi, c'est ce que je dis. Guylaine, tu trouves quoi? S-O. S-H ou S-O? S-H. S-H-O-F-A-R. Vous voyez, deux orthographes. Bon, ça, c'est l'état de science, ça. Chauffard. Ok. Donc, Béatrice, tu m'as dit quelque chose tout à l'heure. Donc, tu as dit, tu as mis trompette au pluriel. Au pluriel, c'est ça. Alors, trompette au singulier, dans laquelle j'aime. Je trouve Exode 19, verset 13, le premier texte.
Attends, excusez-moi, Exode. Exode 19, verset 16, c'est ça? 13. Verset 13. Ça, c'est trompette sans S. Ça, c'est sans S, ok. Et avec S, ça donne quoi? Et avec S, c'est Lévitique. Lévitique? 25, c'est ça? En King James, c'est Lévitique 23, verset 24. Lévitique 23, verset 24. Verset 24. On va lire. C'est ça. Ok. Dylan, qu'est-ce que tu as, toi? Dylan, qu'est-ce que tu as comme résultat quand tu as mis dans la Bible, qu'est-ce que tu as trouvé? Donc tu as vu le visuel, tu as regardé à quoi ça ressemble et tu as vu que c'était une corne, enfin une chauffarde tout du moins. Les chauffards, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Alors, c'est quoi un chauffard? Son utilisateur. Excuse-moi, tu peux reparler un peu plus fort, Cindy. C'est un instrument de musique avant en usage dans le rituel israélite depuis l'Antiquité. D'accord. Et il ne donne pas plus de description physique que ça. Ils disent que simplement c'est un instrument. C'était fait pour une corne, non? Vas-y. Le chauffard est un corne de bélier utilisé comme trompette et dont le son différent sont des signaux de convocation de rassemblement, surtout pour les événements graves. Appel aux armes, départ au combat, signal de danger, etc. Définition. Alors, tu as dit corne. Il y a quelqu'un qui a dit c'est un instrument. Comment tu as dit, Cindy? Instrument de musique. Instrument de musique. Musique, ok. Et puis là, tu as un corne de Billy. Il redit un peu, pas la même chose. Hein. Qui sert à convocation. Convocation, quoi de ton corps? Convocation. Alors, convocation. Convocation. Rassemblement. Rassemblement. Fête, je suppose que c'est au pluriel. Quoi d'autre encore? Événement grave. Événement grave. Événement. Et ça, vous l'avez où là, toutes ces définitions? Événement grave. Grave. Ok. Vous l'avez où la définition? À partir de quoi? Dictionnaire. C'est important parce que, après, c'est des trucs qu'on va utiliser pour nous-mêmes. La définition, je l'ai prise sur. Wikipédia? Non, sur un site juif. Un site juif, ok. Donc, ce sont des choses que nous devrons pouvoir utiliser nous-mêmes. Mathurin, est-ce que tu as une idée là-dessus? Donc, on a vu, on a cherché la définition, on a regardé la première mention. Qu'est-ce que vous avez comme première mention? Quels sont les... Tu sais, il y a plusieurs strophes, en fait. Alors, déjà ça. Alors, comment tu arrives à déterminer qu'il y a plusieurs... alors, est-ce que tu veux dire par là que dans l'Ancien Testament, tu as plusieurs strophes, ou alors tu as un pour l'Ancien Testament et un pour le Nouveau Testament? Tu vois ce que je veux dire? Je suis dans l'Ancien, là, pour l'instant, j'en ai eu trois dans l'Ancien. D'accord. Alors, Michel nous dit quelque chose. Quand elle tape trompette, alors dis-moi les strons que tu as, Michel. Alors, la première que j'ai, c'est 0, 31, 0, 4. 0, 1, 30, 0. 31. 0, 31. 0, 4. Alors, 0, 31, 44. Non, 0, 4. 0, 4. 0, 4. 3104, c'est 0, 31, 0, 4. Est-ce que tu peux nous donner une définition qu'elle te donne, là, à fond?
Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de faire? Parce que j'ai perdu quelqu'un. Les définitions, oui. Les définitions, les premières mentions. Jubel. Jubilé. C'est pour le jubilé. Jubel. Jubel. Jubilé. Jubilé. Retentissant. Alors, il y a 21 fois jubilé, hein, c'est sûr. Retentissante et trompette. Donc c'est une corne de bélier, hein. Bélier, corne de bélier, trompette. Corne de bélier. Tu vois, elle est arrivée à la même geste à peu près 100 années par 100 autres. Alors il y a de l'oseo 31, ok. Ça c'est le premier. Le deuxième c'est quoi? Alors le deuxième c'est la... Est-ce que vous me suivez là? En fait, c'est en regardant tous les versets qu'on se rend compte qu'il y a plusieurs notions, c'est ça? Est-ce que c'est comme ça que tu as fait, Michel? Moi je vais dans My Bible, je tape le mot trompette, je demande le mot trompette, donc il me sort tous les versets où il y a le mot trompette, et après je demande la strong. Mm-hmm. Et la strong, c'est un numéro qui va se mettre à côté. D'accord. Je clique dessus, bon, j'ai des définitions. Voilà. Donc, le 31, donc définition qu'elle a, c'est Jubel, c'est le mot Jubel. C'est utilisé 21 fois pour le mot jubilé. C'est important ça? Je vous le dis. Retentissement, retentissante, c'est définition trompette, corne de bélier. Donc elle arrive au même résultat que Guylaine, qui elle était dans un site juif. Donc c'est, voilà, donc c'est encore des choses qu'on peut faire nous-mêmes. On est OK? Deuxième. Jubel. Hein? Si, c'est ça, Jubel. Tu l'as. Jubel. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme résultat? Regarde les oui. Tu as dit que tu as trouvé trois au moins. Quoi d'autre? Tu as trouvé autre chose, Guylaine? C'est quoi? 77, 82. C'est quoi le mot? Tu l'as aussi, ça, Michel? Hein, chauffard. C'est le mot juste qui est utilisé là? Chauffard? Comme ce de Jubel? C'est l'équivalent? Chauffard. Ça s'écrit comment? S-H-O-P-H-A-R. Qu'est-ce qu'il dit ça? C'est toi qui as manqué. Ah non, je veux vous voir. Excusez-moi, je vous vois. Vous dites des choses. Moi, je veux que vous me dites où. Vous savez comment vous retrouvez devant votre Bible? Et ou votre tablette. Il faut savoir comment faire. Hein, vous devez le faire tout seul après. Vous êtes d'accord avec moi? C'est l'exercice simple. On essaie de se rapprocher un petit peu à tout ce que Manuela nous a dit. Elle est une experte. Elle nous a donné des textes. Elle nous conduit. Mais nous devrions être capables de faire la même chose. Oui, bon, mais si tu n'as pas My Bible, comment tu... Moi, je découvre qu'il y en a trois. Moi, j'en avais un. Moi, j'avais le 86, 43, mais je n'avais pas les deux autres. Il faut mais si tu n'as pas My Bible, tu fais des fidèles. Oui. Laurence, hein. Oui. J'ai pas réussi à installer My Bible. Je suis allée sur Internet et tu as Lueur Bible. Et ça te donne les trois aussi. C'est quoi comment ça s'appelle? Lueur Bible. Lueur Bible. Ah, non, c'est catholique, ça. Bon, ok. Ça marche. Alors, 77-42, donc c'est chauffard. Et qu'est-ce qu'ils disent en définition pour le chauffard, Guylaine? C'est S-H-O-W-P-H-A-R. Attends, S-H-O-W-P-H-A-R. Oui. P-H-A-R. Ok, c'est une autre orthographe, ok. Donc, c'est utilisé combien de fois dans cette définition? Enfin, c'est quelle définition? 72. Corne de bélier. Corne de bélier. Non. Donc, c'est un même que celui-là. Corne de bélier. Ok? Corne de bélier, ça veut dire, c'est utilisé comme ça 72 fois. C'est ça? Tu as le même résultat? 72 fois. Ah,
tu veux dire écrit de cette manière, ce soit ça. Ouais. Voilà. Mais dans cette définition-là aussi, on est d'accord ? Comme le billet 72 fois. Qu'est-ce qu'il y a autre chose ? Jean, qu'est-ce que tu as toi ? C'est une étude, hein, c'est. Enfin, c'est oui. Moi j'ai 86-43. Alors, Jean et Laurence, vous mettez le 86-43. Alors, quand vous avez un numéro comme ça, qu'est-ce que vous faites ? Comment vous pouvez tirer des renseignements de ce numéro-là ? Parce qu'il y a une chose aussi que je l'ai retenue, c'est qu'un numéro peut emmener un autre numéro. Vous voyez, ça veut dire qu'un numéro, soit c'est. Comment on est dit ? Voilà, il faut aller à la racine du mot. Ah oui, ça emmène, oui. Mais tout ça, ce sont des petites indications qui peuvent nous servir beaucoup dans une étude. On le voit dans la strong. Oui, voilà, il faut aller chercher dans la strong et pour regarder si elle est bonne. Alors, on a tes trois là, Michel ? Non, j'en ai encore un. Ok, Michel en a un autre. Pardon ? 26,80. Alors celui-là, on n'a pas donné sa définition. Qui est-ce qui ? C'est Jean. Alors, je sais que Laurence l'a trouvé, mais Jean. C'est quoi la définition ? Oui, 86,43, tu m'as dit. La définition, il dit que c'est une trompette. Alors, trompette. Il dit que ça vient du 45-35. C'est ton papier, Michel ? 45-35. Je continue sur hein ? Alors, 45, tu dis ? Jean, tu as dit quoi ? Il dit que ça vient du 45-35. Ok, 86-43 vient du 45-35. Ouais. Qui lui-même veut dire quoi ? Le ballottement du gonflement de la mer. J'ai pas vu le champ. Je m'en ai inversé en fait, à chaque fois, juste un exemple. Ok, d'accord. Que ce soit un peu plus concret. Alors, le 31-04, Michel. Un verset. Le premier, si possible. Alors, c'est on ne mettra pas la main. Bon, c'est Exode 19-13. Alors, donc, c'est le texte de Béatrice. Hein. Voilà. Exode 19-13. Et ça dit quoi ? Quand la fin du verset dit quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de leur visage. D'accord, ok. Donc il y a un mouvement qui est requis. C'est le son donc, de la trompette, on peut le comprendre comme ça. Quand ils entendront ce son-là, ils s'avanceront vers la montagne. Donc ça requiert une action. On est d'accord ? Cindy, tu avais dit quelque chose tout à l'heure, je t'ai coupé. Et ceux qui m'ont donné. Jean, tu me donnes le texte qui va avec 86-43 et Guilet, tu me donnes le 77-82. Oui, le texte qui va avec. Excuse-moi, 26-89, c'est quoi ? C'est une trompette féroce. Qu'est-ce qu'il y a là ? Sur quel son ? 26-89. Alors, 26-89. Tu dis le texte qui y revient. La définition, ça me dit trompette clairon. Attends, alors on a ici trompette. Le trompette, ok. Et on a vu clairon. Clairon. C'est donc un C-L-A-I-R-O-N. Clairon. Alors, quel texte ? Nombre 10, verset 9. Tu peux le lire ? Nombre 10, verset 9.
Merci. Donc, ça vous rappelle rien, ça? C'est un texte que nous a proposé Manuel hier, hier soir. Okay. Ça vous rassure un petit peu. Nombre 10, verset 9. Tu peux le lire en voix. Nombre 10, verset 9. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre, contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Et vous serez présent au souverain de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivré de vos ennemis. Donc là, c'est relié à quoi, là? Guerre. Ok. On a vu ça là. Événement grave, donc on peut dire que c'est guerre, notamment, un exemple. Quoi d'autre? Il y a quelqu'un qui voulait pas. Oui, c'est Guilherme, oui. Quand tu regardes bien, les deux derniers strophes font plus référence au son que vraiment à la trompette. Parce que le 26-89, quand tu, ça, c'est trompette, mais quand tu regardes, quand tu vas à l'origine du mot, qui est le, qui te renvoie au... C'est quoi l'origine du mot? Vous pouvez dire les deux derniers mots, parce qu'on a dit pour les premiers, mais pas les derniers. D'accord. Même si c'est de l'arabe, on peut quand même... Ok. On va faire... ça 26-89, ça vient de quoi, tu as dit? Je dis que c'est lié au son, le son. Oui, j'ai vu ça, c'est son, le 86-43 et le 26-89. Donc, elle m'a dit, Guylaine a dit le 26-49, racine primaire. La racine du mot, c'est Chatsar, qui est le 02-690. 02-690. Et quand tu cliques sur 02-690, c'est comme disait... C'est sonner des trompettes. Ça fait référence au son. D'accord, son. Ok, donc c'est le 2-690. Et le 86-43 aussi fait plus référence au son. Au son, d'accord. C'est quoi le mot 86-43? C'est quoi le mot juif? Enfin, le mot hébreu? Alors, T-E-R-U-W. T-E-R-U. R-U. T-E-R-U. 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 Après A-H. Et pareil aussi, la traduction c'est son des trompettes, son éclat, avec éclat, en général éclat, publié au son des trompettes. Publication. Parce que moi, il est de l'alarme, signal, son des trompettes, cri, voilà. Son, cri, son et cri. Ok. Le 27-89, c'est quel mot? 26-89. Le mot pour répondre à la question de Germain. 26-89. C'est alors chat. Alors, énumère-moi le mot. Le chat. C-H-A-T. S-O-T. S-O-T. S-E. S-E. R-A-H. R-A-H. Chatso Sera. Et ça veut dire quoi? Clairon, trompette, c'est ça. Ok. Donc, où est-ce qu'il manque encore, Jérôme, que tu nous as donné? Donc, Guylaine nous disait que les deux derniers, donc le 86-43, quelqu'un nous disait que racine 45-35, et le 49, racine 02-690, ok. On n'a pas donné les versets qui sont affairés. Alors celui-là, le 77-82, chauffard, quel texte biblique qui est associé? Exode 19-16, Exode 19-19, Exode 20-18. Est-ce que tu peux lire le 16 et le 19? Exode 20 combien? 20-18. Ok. Est-ce que tu peux lire ou les lire? Pour voir qu'est-ce que ça nous donne comme indication. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne,
Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Le verset 19. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Le 20, verset 18. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumant. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ok. Quoi d'autre? En fait, tu sais, déjà, c'est déjà effectivement. Plus fort. C'est intéressant effectivement de voir que nous en français on n'a qu'un seul mot, alors qu'en réalité il y a plusieurs réalités, il y a plusieurs mots derrière, tu vois. Et c'est pas exactement la même chose. C'est grosso modo c'est toujours l'idée de son, de bruit, tu vois. Mais on peut voir que par exemple le dernier, tu vois, qu'on va retrouver dans le nombre 10, c'est quelque chose qui est fabriqué par l'homme, tu vois, le chasseau de Sera, c'est une trompette d'argent, tu vois. C'est un corps, c'est les trompettes que nous on a en fait. Alors que le yovel ou le chauffard, c'est quelque chose de naturel, qui vient de l'animal, tu vois. Attends, trompette d'argent. Et puis lequel qui est naturel? Les deux premiers, le yovel, ouais. Yovel et puis le chauffard. Le chauffard, oui, c'est les cornes de bébé. Voyez un petit peu l'indication que nous donne Germain. Et après, juste sur tes rois, effectivement, en fait c'est marrant parce que la fête est trompette. Juste sur le troisième mot, la fête des trompettes, justement, c'est le. Celui-là? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, en fait, dans le manque des rois, il veut dire cri, clameur. En fait, c'est la fête du bruit. C'est pas tellement la fête des trompettes comme on croit. C'est la fête du grand cri, en fait, ce soir. Tu vois? Et ça, c'est intéressant un peu. Ouais. Mais effectivement, c'est souvent les trompettes, les objets qu'on va utiliser qui vont faire du bruit, en fait. Ok, mais il y a peut-être aussi la notion, quand j'ai une image qui me revient, c'est celle de Jéricho. Il y a les trompettes, mais aussi les clameurs. Ben là, il faut les chercher, voir s'il y a deux mots différents. Voilà. Oui, un petit peu des pistes qu'on peut. Vous avez compris la remarque de. Tu as deux encore deux autres. Ok. Alors, Michel a trouvé deux autres. Elle est partie à 3, elle a augmenté à 4. Maintenant, elle a peut-être à 6 ou 7. On y va. C'est toujours dans l'Ancien Testament. Là, c'est le 08619. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire trompette. Alors, trompette aussi. Ok. Un instrument à vent. Quel est le mot Takoa. T-A. T-A-Q-O-W-A. Takoa. Takoa. Tu l'as utilisé combien de fois comme ça, celui-là? Une fois. Ok. Ézéchiel 7, 14. Est-ce que tu peux le lire? Alors, donc, c'est lié celui-là à Ézéchiel 7, verset 14. Je comprends bien. Ézéchiel 7, verset 14. Ça dit quoi? Dis-le. On sonne de Ézéchiel 7, 14. On sonne de la trompette, tout est prêt, mais personne ne marche au combat, car ma fureur éclate contre toute leur multitude. Ok. Combat, donc il y a un terme de combat, il y a de jugement peut-être. Alors ça vient d'un mot, 86-28, qui veut dire dans le sens de dresser, précipiter, sonner de la trompette. Dresser, non, ça vient de quel mot tu m'as dit? Taka. Non. 86-28. 86-28. D'accord. Et la racine primaire qui est dressée, précipitée, sonnée de la trompette. Donc c'est T-A-Q-A. Ah. T-A-Q-U-A. Non, mais pas de lui. T-A-Q-A. Et ça c'est dressé. Dressé, précipité, renforcé, soufflé, applaudir, il y a beaucoup de sens.
Ok. Donc ça, c'est celui-là. Après. Et après, il y a le 0-71-62. C'est au 71. Combien ? 71-62. Ok. C'est Daniel 300. Attends, je suis perdu là. Le 86-19, il a été utilisé combien de fois ? Une fois. Oui. Une fois, on a dit. Donc ça, c'est important. Et ça, c'est intéressant, effectivement, quand il apparaît une fois, il faut se poser la question pourquoi ? Ouais. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres occurrences ? Ok. Ouais. Et le 071-62, c'est quel mot, Michel ? Alors, c'est Keren, Q-E-R-E-N. 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 Et ça veut dire quoi ? Alors c'est une corde, trompette. Corde, ok. Trompette. Alors c'est comme instrument de musique ou c'est symbolique dans les visions ? Parce que là c'est Daniel. Ok. Donc finalement on était parti sur deux. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus certaines occurrences. Il est utilisé combien de fois celui-là ? Alors, comme corne, 10 fois et trompette, 4 fois. 10 fois en tant que corne, 10 fois. 4 fois en trompette. Une trompette. Comme instrument de musique. Hein. C'est dans le sens d'instrument de musique. Peut-être combien ? 4 fois. 4 trompettes et 10 cornes. Ok. Dans le Nouveau Testament, il a une fois. Celui-là ? Non, dans le Nouveau Testament, j'ai un autre numéro. Alors, vas-y. Et tout ça, c'est l'ancien. D'accord ? Ouais, ouais. Et là, nouveau, c'est le ça ? Le nouveau, c'est 4536. 4536. Je crois qu'il y a 36. Et c'est quoi le grec ? Salpitus. S-A-L. Oui. C-I-G. P-I-G. X. Salpitus. Salpitus. Ok. Ça a été utilisé combien de fois, une seule fois ? Non, 11. 11 fois. Tu peux me citer un verset ? La royaume par exemple. Tu peux prendre Marc combien ? Parce que j'avais mis Matthieu 24. Matthieu 6, 2. Matthieu 6, 2. Matthieu 6, 2. Tu peux lire Matthieu 24. Ouais, 24, 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et rassembleront ses élus aux quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Matthieu 24, ça c'est Matthieu 24, combien ? Matthieu 24, 31. 24, 31. Et 6, 2, ça fait. Matthieu, c'est l'autre, c'est lorsque tu fais le mot, ne sonne pas de la trompette devant toi. Ok. On voyait un mot dans toutes les directions que ça peut nous emmener. Donc on a retrouvé l'exode de Manuela. Vous n'avez trouvé aucun texte dans Jude ? Il y en a 119. Ah oui, donc oui. Juge, pardon. Juge. Ah. Si, on a vu. Ok. Juge. Pardon ? En français. Ouais, juge, j'ai dit un qui sonne en tête. Oui, j'avais trouvé aussi Matthieu 6. Il n'y a pas un dans un Corinthien ? Un Corinthien 14-8. Aussi. Attends, est-ce que quelqu'un peut me lire encore un Corinthiens 14-8 ? Et si la trompette prend un son conflit, qui se prépare au combat ? Ok. 18. Un Corinthiens 14-8. Lyon. Il est quelle heure en fait ? 10h50. D'accord. Ok. C'est intéressant, donc j'ai vu dans les prophètes, dans les petits prophètes, on va retrouver, dans tous les prophètes, on va retrouver la trompette. Mais dans les petits prophètes aussi, Zacharie, Sophonie, Amos, Joël, Osée, Daniel. Okay. Et, nous en français, on n'a qu'un seul mot, mais encore une fois, c'est comme si en français on disait Cléron,
corps, trompette, corne, tu vois, c'est quand même des mots un peu différents. Donc les traductions, en tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les traductions, mais second, il a pris le parti de traduire par trompette, tu vois. Ok. Mais c'est déjà une. Il a une orientation, en fait, tu vois. Parce que nous, après, on fait une étude en français derrière, et on dit ah, trompette égale trompette. Mais pas forcément, en fait. Ok. Martin, lui, il l'a traduit 80 fois par trompette. Donc ça veut dire que les autres, il a d'autres mots. Il a peut-être dit corps. Qui c'est ? Qu'est-ce que tu as dit, Eric ? Non, je disais que Martin, lui, il a mis. Et dans sa traduction, il y a 81 fois trompette, alors que dans Louis II, c'est 119. Donc il y a un gouffre énorme qui allait traduire autrement. D'accord. Et juste une remarque, le mot corps, en fait, soit Kerem, en fait, corps, c'est un symbole de la puissance. C'est symbole, là ? De la puissance, d'un pouvoir, d'une autorité. Une corps, en fait. Quoi. Le mot Kerem ? Ouais. Dans ses suivants. Qui est utilisé. Ok. Donc, je vais. Voyons un petit peu comment on peut dégrossir. Tu voulais dire quelque chose tout à l'heure, Guylaine, tout à l'heure, non? Je remarquais qu'on en retrouvait 15 fois dans l'Apocalypse. Ça, c'est important. Lequel? C'est le même mot. 45-46. Ouais, le grec commence à faire l'amalgame comme nous, en fait. Voilà. Ouais, les voix, ils distinguent, mais le grec, ils disent bof. Combien de fois dans l'Apocalypse? Enfin, donc, combien de fois il est utilisé celui-là? Vous avez dit combien? 15. Donc, il y avait. Non, il a dit 10 fois dans. 10 fois. Combien de fois dans le Nouveau Testament? Le mot 45-36. Dans ton nouveau, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que vous allez faire. Attendez. Parce que si là je vous écoute, il faut toujours que vous posiez la question où je vais. Parce que sinon vous allez entrer dans les soins, mais pour aller où? Oui, mais c'est-à-dire que. Donc cela suppose que toi tu vas faire l'entrée. Oui. Non, mais tu vas toujours savoir dans ton étude où tu vas. Non, je te dis, donc c'est bien ce que je comprends. Donc, c'est toi qui l'as conduit l'étude là, en fait, quand tu fais ça. Tu as une direction que tu veux aller. Oui, parce que là, parce que tu vas te perdre dans les infos, parce que tu prends beaucoup d'infos. Non, mais. Ouais, en fait, ça dépend de l'objectif que tu as. Mais en fait, ouais, c'est pas le même objectif que les deux. Si tu fais une recherche tous azimuts, tu cherches tous les mots, tout dans tous les sens, et tu vas te perdre effectivement. Mais à un moment donné, même dans un labyrinthe, on en sort toujours. Tu vas avoir plein d'informations, tu vas constituer plein d'études dans tous les sens. Mais par contre, effectivement, si tu veux gagner du temps, il faut que tu aies un objectif et que tu dises, ben, voilà, je vais aller là et je vais collecter les informations dont j'ai besoin. Mais c'est deux démarches différentes. Parce que si tu veux, c'est sûr que faire ça, c'est si tu n'as pas un sujet à présenter. Quand tu veux faire une étude, bien sûr. Et ça, tu fais ça. Et comme j'ai envie de te dire, ça va te créer des boîtes que peut-être juste 2 ans plus tard que tu vas utiliser. C'est-à-dire que là, tu vas juste cueillir des informations. Donc, tu as beaucoup, beaucoup d'informations. Tu n'as pas forcément de but dans ton étude. Donc, ça, tu fais ça. Et puis, demain, quand tu vas faire une étude, tu vas te souvenir, ah, mais j'avais fait ça là, donc tu vas récupérer. Mais si tu veux faire une étude dans un sens, tu dois savoir où tu vas. Oui, mais Manuela, je suis un peu gêné par ce que tu dis, parce qu'en fait, tu dis, tu vas dans un sens. Et c'est ça qui me pose problème. Mais parce que l'esprit va toujours te conduire. Ah non, là tu dis autre chose. Là. Oui, mais quand tu dis. Non, mais c'est intéressant parce que. Parce que il va toujours te conduire dans un sens. Pourquoi tu vas faire une étude? Exemple, l'étude des 7 trompettes. L'étude de la 7e trompette n'a rien à voir avec l'étude des 7 trompettes. Oui. D'accord? C'est deux branches différentes. Ok. La 7e trompette, c'est une branche. Et les 7 trompettes, c'est une autre branche. Mais dans les trompettes, l'arche, c'est une branche. La gloire, c'est une autre branche. Oui. Donc, Dieu est un Dieu d'ordre, avec notre esprit aussi limité, il ne va jamais nous pousser dans les 4 parce qu'on va se perdre. On ne peut pas gérer les 4 branches d'un seul coup. Alors, exemple, vous allez voir quelqu'un, la personne va mettre beaucoup de boîtes les unes dans les autres. Mais parce que ça fait peut-être des années que la personne a étudié des sujets différents, et quand il faut les synthétiser, tu mets les boîtes dans les boîtes. Et toi, tu vas venir, tu vas te dire, mais comment la personne fait pour mettre des boîtes dans les boîtes? Et tu vas être frustré parce que tu n'arrives pas à mettre les boîtes dans les boîtes.
Mais parce qu'à un moment, il fallait que tu partes dans une branche, dans une autre branche, dans une autre branche, dans une autre branche, dans une autre branche. Et le temps viendra où tu mettras tes boîtes dans les branches. Finalement, c'est un peu jeune. Hein? Finalement, c'est un peu jeune. Voilà, c'est un peu jeune. Voilà. Et après, un moment, tu et vas et parfois, l'esprit va te conduire sur une étude que tu ne sais même pas. Vous savez, il y a des études que j'ai faites il y a peut-être un ou deux ans. Je me demandais pourquoi je faisais ces études. D'accord, ce sont des études, bon, je fais intéressantes, je les faisais, mais sans aucun but. Je fais des études. Et après, il y a une étude, je ne sais plus quelle étude que je faisais, et je me suis rendu compte que tout ceci s'emboîtait dedans. Mais s'il fallait que j'étudie ce sujet-là, je n'aurais jamais été dans tout ça. Parce que après, ça dépend de vous. Hein. Ouais. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'enfin, des fois, en voulant aller dans une direction, on perd des chemins que Dieu veut nous faire passer aussi. Oui, quand on a un objectif, quand on veut... Voilà, c'est-à-dire qu'on a un exercice, on le dira péjorativement, quand on a un agenda, on élimine certaines voies. Et moi, ce qui me gêne dans... C'est-à-dire que quand on est expérimenté, on a un peu plus de discernement, si tu veux. Si, parce qu'à force d'utiliser, tu vois des connexions... Parce que tu as un background d'études que tu as fait et tu vas, voilà, tu vois là. Oui, mais tout le monde n'est pas comme toi, Daniela. C'est ça le problème. Parce que, en fait, quand on. Parce que moi, en fait, en cherchant. Donc, là, si on résume là, qu'est-ce qu'on retient là ? Elle a tout ce qu'on a fait là ce matin. Pour le moment, on fait un état des lieux. On fait un état des lieux. Et ça, c'est une première étape. Il faut faire un état des lieux. Et toi-même, tu disais, à un moment donné, il y a peut-être 100 versets en référence. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas tous les lire ou pas? Oui, parce que ça va tous te conduire sur le même message. Non, pas forcément, parce que les 109 occurrences que tu as dans la Bible, ça va pas forcément t'emmener, il y aura une grosse idée. Il y a, je crois que c'est, tu n'as pas répondu à la question d'ailleurs que je t'ai posée, le 45-36, combien de fois c'est utilisé dans l'Ancien Testament? 11 fois. Dans le Nouveau Testament, pardon. Et tu disais, Guylaine, et 10 fois dans l'Apocalypse, c'est ça? 6 fois. 6 fois dans l'Apocalypse. C'est ça ? Sinon, j'ai dit le mot trompette. Oui, c'est ça, 45-36. C'est la trompe 45-36. 6 fois. Oui, vas-y, Jean. 6 fois. Après, c'est vrai que, en fait, c'est comme quand on fait de la recherche, mais dans tous les domaines, il y a plusieurs façons de faire. Soit tu as plein de temps et plein de moyens, et donc tu fais vraiment de la recherche sans objectif aucun, tu explores les pistes, que ce soit en sciences, dans tous les domaines, et donc tu sais que tu as le temps, c'est ta passion, tu cherches, tu vois. Et tu peux faire ça longtemps, des heures. Après, si l'objectif c'est qu'il y ait une application dans ce que tu as cherché, il faut, par exemple, quand on fait une étude de la Bible, à moins qu'on ait de la recherche comme ça, c'est vrai qu'on se dit, mais, et après, tu vois, qu'est-ce que ça m'apporte spirituellement? Ben, je crois que si on revient sur certains textes, on peut en extraire quelque chose pour notre âme, en fait, notre esprit, spirituellement parlant. On peut se poser la question de savoir en quoi Jésus est connecté à ces versets. Et puis, on peut essayer de comparer, d'analyser un petit peu, en fait, tu vois. Mm-hmm. Donc, par exemple, tout à l'heure, on parlait du texte de Jéricho. Ben, j'ai cherché. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait trois mots pour Jéricho. Dans Jérémie, dans Josué 6, verset 5, on nous dit, quand ils sonneront d'accord, donc là, c'est le mot pérenne, retentissant, vous entendrez le son de la trompette. Donc là, c'est le mot chauffard. Et puis après, le peuple poussera des cris. Et là, c'est mot terroir. Encore une fois, j'ai rien dit, mais je constate qu'il y a un verset dans la Bible qui va. Résumer les trois. Voilà, qui va prendre les trois. Mais ça, c'est intéressant, je trouve. Après, je ne sais pas quelle application ça peut faire. Voilà. Moi, en tout cas, moi, en cherchant ce mot-là, j'ai découvert une chose, c'est que ça m'a. Parce qu'il y a des mots aussi qui sont associés. Par exemple, on l'a vu tout à l'heure, il y a le mot son qui est associé. Il y a le mot corne qui est associé. Et il y a le mot son, il y a le mot clairon. Tout ça, c'est encore des pistes qui peuvent nous emmener quelque part. Je ne sais pas. C'est-à-dire que je n'ai pas d'agenda. Donc moi, je fais un état des lieux. Je fais un état des lieux. Et je le mets quelque part. Mais je vais dans aucune direction. Je dis, Seigneur, bon, soit tu me donnes une idée, une illumination, comme c'est le cas de Manuela, tu sais où tu vas. Et tu prends ce qui va dans le sens que tu veux aller. Mais ça, c'est une manière d'étudier. Moi, je pense qu'il faut être un peu plus érudit, plus habitué, de faire ça. J'entends des fois, Laurent se dit, mais pourquoi éliminer celui-là et pourquoi pas l'autre? Alors qu'on est un peu indécis des fois. Mais comment faire?
Donc je pense qu'il y a une manière qu'on est plus, comment dirais-je, aguerri. Habitué, ouais. On peut faire des tri, alors quand ce n'est pas le cas, il faut peut-être faire par élimination. C'est vrai que ça fait une masse d'informations, mais je ne pense pas qu'on puisse passer de faire ça. Mais, alors, ça, c'est un préalable pour moi. Ça, c'est sûr, mais ça, ça semble très technique. Il y a des numéros, il y a des mots en arabe, tout ça. Ça semble. C'est pourquoi moi, j'insiste sur le texte biblique. C'est ça. Dès qu'on va dans la Bible, même un verset, ça peut être parlé tout de suite. Même le nom des gens, ça peut parler spirituellement. Tu comprends ? Donc, c'est pourquoi moi, quand je fais des études comme ça, même si, par exemple, en français, tu vas prendre le mot trompette et en fait, derrière, il n'y a rien à voir, bah, tu prends le texte et tu dis, ah, mais en quoi le texte me parle aujourd'hui ? Comme ça, ça donne une petite, au moins quelques miettes spirituelles pour la personne. Parce que si tu fais que de la technicité, bah oui, au bout d'une heure, même au bout de 10 heures, tu peux dire, oh, ok, j'ai fait de la théologie, puis après, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Bah, pas grand-chose, en fait, tu vois. Alors que le texte biblique, il peut te parler, tu vois. Et c'est l'étude que je fais par rapport à la marque de la bête, là. Mais en fait, même tu prends la main droite, mais il y a des textes qui n'ont rien à voir, c'est des textes parasites, c'est pas grave. Parce que tu te nourris spirituellement du texte quand même. Tout à fait. Mais moi ce que je l'accent que je voulais mettre, en fait, c'est parce que assez souvent on veut vraiment faire tout de suite des applications et forcément Dieu a peut-être quelque chose d'autre à nous dire. Une chose que j'ai découvert quand j'ai fait ce petit truc là, c'est que ça m'a ramené à le vent qui, parce que quand vous sonnez de la trompette, le son, il y a des images que la Bible vous parle. Par exemple, quand c'est le déluge, il vous dit Dieu souffle là. Ça vous amène une image. Il souffle et il assèche l'eau lors du déluge. Donc ça, c'est une idée. Il y a une autre idée qui vient, c'est que quand le peuple d'Israël passe la mer Rouge, il passe entre deux rives. Et c'est comme s'il avait, il avait soufflé, comme on souffle dans une trompette. Et il y a cette idée de passer entre deux choses. Et là, ça doit te faire tilt, Manuel, à ce que je suis en train de dire. Il y a des fois, quand c'est Abraham qui fait le sacrifice, Dieu souffle un feu et ça passe entre les deux animaux. Voyez un peu l'idée un petit peu. Et tic, il y a une idée qui jaillit. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Et là, j'aurai une orientation. Parce qu'en fait, le texte biblique m'aura insufflé une idée, je dirais ça comme ça. Et du coup, je vais peut-être trouver un thème que si je voulais peut-être aller dans une direction, je n'ai pas vu. Et ça, je sais que c'est une idée que je vais exploiter dans un futur proche, peut-être, ou éloigné, je ne sais pas. Je sais que cette idée de passer entre deux choses, le peuple d'Israël passe dans la mer Rouge, c'est comme si c'est Dieu soufflait de la trompette, en fait. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Et pour le truc du sacrifice d'Abraham, c'est la même chose. Il y a d'autres idées encore qui viennent comme ça, et donc je dis, tiens, ça c'est l'idée que le texte peut nous induire. En faisant notre recherche, on peut voir des thématiques qui sortent, et là, peut-être là, on a trouvé un sujet. Par rapport au texte dont on mentionnait tout à l'heure, en fait, je viens de me rendre compte que, en fait, je ne sais pas si... Lequel c'est Josué 6. Oui, Josué 6. En fait, donc au verset 4, c'est les 7 prêtres qui portent devant l'arche et 7 trompettes. Le 7e jour, ils font 7 tours. Je ne sais pas si Manuel en parlait, je suis désolé. Mais en fait, il est au verset 5. Donc, les prêtres vont sonner de la corde. Et quand on entendra le son de la trompette, tout le peuple poussera le grand cri. Et en fait, c'est la combinaison des deux. Des prêtres, plus de tout le peuple. Et ça rappelle 144 000 grands fous, alors peut-être les vides nétiniens, ça rappelle ces modèles-là, en fait. Qui va aboutir au fait que alors la muraille de la ville s'écroulera, et voilà. Et en fait, la fête des trompettes, entre guillemets, qui est la fête des cris, des clameurs en réalité, pour moi, ça dit que c'est une approche globale collective. Ça veut dire que c'est pas juste les prêtres qui vont donner, qui vont sonner, en fait. Une combinaison. Voilà, tu vois. Seuls, ils ne sont pas efficaces. Et le peuple non plus, il manque quelque chose, en fait. Il faut vraiment qu'il y ait une synergie, en fait, entre les deux parties. Et ce que tu dis là, c'est intéressant parce que hier soir, j'essayais de montrer que la strong qu'on avait pour trompette, c'est la même strong que tu as pour le peuple qui pousse les cris. C'est pour garder. La strong éclatant, c'est ça, ouais. C'est la même strong du peuple. Cela commence, c'est la combinaison des deux.
Et c'est pour cela que derrière c'est écrit que c'était quoi le son. Je ne sais pas si vous vous souvenez. La trompette, les voix, mais c'était l'armée aussi. Mmh. Vous voyez ? Ouais. Donc c'était la trompette, c'était les ailes, c'était la voix de Dieu, mais c'était l'armée en Ézéchiel. Donc cela montre l'ensemble. Mmh. Je crois me rappeler d'une citation de moi qui avait dit que, en fait, le peuple juif actuellement, qui a, il y a 2000 ans, a crucifié Jésus, enfin, le christianisme est issu du judaïsme, quand même, on le dit parfois, en fait. Hein. À la fin, en fait, ils vont beaucoup moins accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Et elle dit, en fait, elle laisse entendre que les 144 000, en fait, seront complets, le peuple de Dieu sera complet, quand la prophétie de Paul, Romains 9, 10, 11, va se réaliser, en fait. Ça veut dire que. Il y a toujours cette notion de deux parties, tu vois. Et les juifs et les païens, en fait, vont être ensemble pour proclamer ce message. Eric, tu voulais quelque chose à dire ? Tu voulais quelque chose à dire, non ? Enfin, j'entends les enfin, la façon dont les gens utilisent Strong. C'est vrai que moi, c'est assez différent. J'ai l'impression que c'est différent. Enfin, moi, je m'en sers. Moi, je m'en sers, en fait, moi, pour comme dictionnaire, ou pour les étymologies, qui va faire des connexions. On va finir par exemple avec un parapente, il y a para au début, on va finir avec un parapente, parachute, paratonnerre, avec des trucs qui n'ont plus de sens, on s'en rendrait déjà compte en français. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans les Strong, c'est vraiment de m'en servir comme un outil supplémentaire pour rechercher des passages parallèles. Parce que parfois, donc si on veut chercher trompette, par exemple dans les secondes, comme on a vu, on aura 119 versets, en pratique. Si on le fait avec Martin, on en aura moins. Avec lui, on a une meilleure précision de langage, oui, mais, on a... Martin, oui. Mais on n'aura pas, autant de versets. Mm. Donc parfois, quand on veut avoir plus de versets, c'est intéressant de faire une recherche de mots en français, d'une version à l'autre, ou bien parfois aller dans la King James, en anglais, et ça peut nous donner d'autres versets qu'on n'aura pas. Par exemple, l'expression le jour du Seigneur. Souvent, les Anglais l'ont comme ça parce qu'ils ne traduisent pas le nom de Dieu, ils mettent Seigneur à la place. Et nous, on aura le jour pour l'éternel, par exemple. Ce qui est techniquement une meilleure traduction, mais qui permet d'avoir moins de parallèles. D'accord. Et une autre façon de le faire, on ne peut pas rentrer des lettres en hébreu, on ne connaît pas les mots hébreux, les Strong permettent de faire. Tous ces versants parallèles. D'accord. Et je m'en sers plus comme ça, comme si c'était juste notre langue, plus qu'un dictionnaire absolu. D'accord. C'est-à-dire que tu ne regardes pas la définition des mots, mais tu regardes plutôt leur occurrence, c'est-à-dire où ils se trouvent et comment ils sont reliés dans le texte biblique, enfin dans la Bible. Le dictionnaire, c'est quand même aussi intéressant dans un sens. Ouais. Mais parfois aussi tu vas avoir des commentaires et parfois aussi assez. Enfin, quand j'entends les gens parler, parfois j'ai l'impression qu'ils le prennent comme si c'était le sens même du mot. Alors qu'en fait, c'est juste les compilateurs, ils ont vu dans d'autres passages bibliques comment ce mot est employé et ils mettent ce commentaire religieux associé à ce mot. Parfois le prof était un nom et en dessous c'était une femme de telle ville. Non, le nom il veut pas dire ça. C'est juste, ça nous indique que dans la Bible, il y a une femme de telle lieu qui porte ce nom. Ce n'est pas une définition absolue. Voilà. C'est une indication. Donc, voilà, je ne vais pas être psychorigide quand j'emploie la petite fenêtre là, de Strong sur le logiciel. C'est une aide. Une indication, une aide. Mais c'est pas une définition. Voilà. Il y a aussi beaucoup d'interprétations. On sait que traduire, c'est trahir. Déjà, quand on a un dictionnaire qui nous traduit de l'hébreu, je suis une bonne aide parce que moi je parle pas hébreu. Hein. Mais je sais que ça va pas être parfait. Et en plus, on sait en français déjà de base, un mot, en fonction du contexte, il n'a pas le même sens. D'accord. Et ça sera pareil en hébreu. Okay. Donc, dire voilà, ce mot-là, il veut dire ça de façon absolue, non, moi je suis pas hébraïque, enfin je suis pas hébreu. Dans ce passage-là, il a été traduit correctement par le traducteur. Et il avait bien ce sens-là dans ce contexte. Comme par exemple, il y avait le commentaire, la pluie, je crois, vient de jeter. En français, ça ne paraît pas évident. Précipitation, oui, on le voit. Mais pour nous, une précipitation, c'est aller vite. Donc, c'est là aussi où il y a des limites. Oui,
là, il a choisi telle traduction, mais je vois que tout le temps, ça veut dire tel mot. Tel sens, c'est pas aussi simple que ça. En fait, vous savez, en fait, on joue à un jeu qui s'appelle l'étymologie. En fait, l'étymologie, c'est l'origine du mot. Et c'est un petit jeu qui est dangereux, tu viens de donner cette langue, il y en a plein en français. En fait, aujourd'hui, dans les sciences du langage, c'est très discuté ce qu'on fait. Ça veut dire que si, à partir d'une étymologie d'un mot, d'une racine profonde, on fait une définition actuelle, c'est pas pertinent. En fait, ça, c'est archaïque comme modèle. Mais on fait ça, mais c'est pas grave. Mais en fait, aujourd'hui, en linguistique, on va dire, mais non, en fait, le mot, il a sa définition contextuellement. Et des fois, un mot n'a aucun rapport avec son étymologie, tu vois. Et donc, en fait, on joue un jeu un peu dangereux, c'est-à-dire qu'on fait des apprentissages, on dit, ah, il y a ce tronc, la racine, c'est ça, donc c'est ça. Et en fait, pour moi, c'est des syllogismes qui peuvent nous emmener loin. Alors, mais peu importe. Ça, c'est vraiment, c'est de la méthodologie. Après, sur la remarque des rites, je ne sais pas si on a conscience que tout l'adventisme, et ça, c'est vraiment, c'est profond, il y a des gens qui ont quitté l'église adventiste, parce que tout l'adventisme, on fait propos sur Daniel 8, 14, sur un mot qui est unique dans la Bible, qui est le mot purifié. Juste, le sanctuaire sera purifié. Et bien, en fait, en hébreu, on le trouve une fois, ce mot-là. Et en fait, les gens se disent, mais comment le traduire justement, tu vois ? Samuel Snow et les Mélanie ont fait un lien, parce que c'était en King James. Une traduction. Ils ont dit, ah, purifié égale la fête de la purification, la fête des expiations. Or, et de façon textuelle, linguistiquement, il n'y a aucun lien entre le mot de Daniel 8, 13, 14 et la fête des expiations. Tu comprends ? Pourquoi je dis ça ? Je crois que Dieu inspire en fait les adventistes. Là, on a la même problématique sur Tamil. Si tu fais une étude du mot Tamil, le perpétuel, tu vas dire, ah ben non, la plupart du temps, c'est le sous-entendu, c'est sous-entendu le sacrifice, tu vois. Mais je crois qu'il faut vraiment demander à Dieu d'être conduit et inspiré quand on étudie sa parole, parce que si on fait que de l'approche textuelle, linguistique, étymologique, comme technique, ça, ouais, que de la technicité, eh ben en fait, on ne s'en rend pas compte. On scie la branche nous-mêmes sur laquelle on est assis, on ne s'en rend pas compte. Ok. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire maintenant? Excuse-moi, je finis. Ouais. Aujourd'hui, ça s'appelle en théologie l'approche historico-grammaticale. Et avec cette approche-là, ils vont te dire, mais non, en fait, Esaïe, il y a eu trois Esaïe. C'est pas Esaïe qui a écrit, c'est des étudiants. Et en fait, ils vont te dire, là, il a écrit là. Ils vont te dire, Moïse, il n'a pas écrit, en fait. C'est longtemps après des prêtres, à l'époque d'Esdras, qui ont écrit. Ils vont te faire tellement d'archéologie du texte, étymologie du texte, le texte, mais en fait, en lien avec l'histoire, qu'ils vont te dire, mais en fait, la Bible, c'est pas inspiré, c'est un livre comme ça, en fait. Tu comprends? Mais en fait, on se rend pas bien compte que c'est ce qu'on fait là, c'est un peu les prémices de ça. D'accord. Manuela? Non. Si je veux que tu donnes la conclusion, parce qu'il faut que tu fasses le lien entre ce que j'ai fait et ce que toi tu fais. Ah non, justement, c'est quand tu mets ton gueule, c'est ça. Hein. Pardon ? Je suis pas capable de faire ça, moi. Non, mais alors comment tu fais, toi ? Je vous ai dit, moi, je n'ai pas du tout fait rentrer, parce que rentrer autant dans les détails. Parce qu'on ne sait pas où on va. C'est ça, on va trancher là. Non, mais on ne sait pas. Mais tu prends un 15 minutes et puis tu fais une petite conclusion. Non. Vas-y, un peu plus fort, Guylaine, pour qu'on puisse t'entendre. Vas-y. En fait, je disais, je me suis toujours posé la question, comment Manuela a pu arriver à voir que dans les douze presses, on a un niveau de 1520, en parallèle, elle a été voir que sur le bateau de Paul, quand il lâche l'enfant, on a un niveau de 1520. Je me suis dit que tu as pu faire ça en commençant par un panel général. Voilà, un panel général. Oui, mais pas comme ça. Exemple, le 2520 Parce que tu l'as mis dans les bateaux, tu l'as mis également dans le dénombrement. Si tu fais le dénombrement avant et le dénombrement après, tu fais la différence, c'est à 2520. Comment t'es arrivé là? T'as commencé comme ça pour pouvoir faire. Après, je pense que c'est comme on a dit, en priant, tu vas avoir un sujet. Il y a un mot qui va sortir dans ta tête. Et tu vas partir sur ce mot-là. Ouais, t'es inspiré, quoi. Voilà, c'est la délit d'initié. Non, mais après, je n'aime pas se dire ça parce que les gens me disent, ouais, là, toi, tu entends des choses. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que, sincèrement, tu comprends un mot, exemple, l'étude des trompettes. Ou bien, parfois, tu écoutes quelqu'un. Il y a ça aussi. Dans l'écoute de quelqu'un, tu as beaucoup de clés. Tu vas écouter quelqu'un, la personne va te dire. La personne ne fait pas attention, la personne va te dire, mais tu sais que la chaise n'était pas blanche, elle était grise. Tu dis, grise. Et grise, tout de suite, c'est un mot qui parle.
et tu parles en grise. Mais tu n'aurais jamais pensé à grise si la personne ne l'avait pas dit, tu n'avais pas écouté la personne. Oui, mais on peut te dire que tu es bigot aussi, hein. Ah non, parce que non, pourquoi parce qu'elle dit que la chaise est grise. Non, mais je veux dire, attentionnellement. La personne te dit juste la chaise est grise. La personne t'a juste dit ça. Être bigot, c'est répéter que la chaise est grise. Là, maintenant, tu ne vas pas être bigot, tu vas prendre le mot gris. Tu ne vas pas prendre seulement grise, tu vas prendre gris, grise. Tu vas prendre gris dans tous les sens. Et tu vas essayer de voir et tu vas te rendre compte que ce n'était même pas la chaise qui était grise, c'était le reflet du sol qui faisait que la chaise était grise. Malgré les mains, tu vas trouver la même. Voilà. Mais c'est ce qui s'est passé à l'époque du Dieu. C'est non, c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des erreurs, il y a des erreurs machin. Dieu compte son peuple quand même. Mais oui. Mais et après, tu vas dire, waouh, c'était ça. Mais c'est incroyable. Mais c'est pas parce que c'est quelqu'un, moi je trouve que tu n'as aucune gloire en Dieu. Donc ça, c'est ça qu'il faut prier, demander à Dieu. Et moi, sincèrement, je ne vais pas faire pour entrer aussi en profondeur que c'est que je suis dans mon père. Mais on n'est pas entré dans une étude. On a fait un état des lieux. Non, c'était l'état des lieux. Et après, la seconde étape. Mais ça ramène quoi ? Non, mais après, il y a une autre étape. C'est juste une étape. D'accord ? Et après, on a plein de pistes. Tu vois, on a plein de pistes. Je t'ai dit, j'ai. Donc, du coup, ça me fait me porter une attention sur le mot quand, clairon, son, qui sont des mots. Mais fais attention ! Parce que ce corne-là, est-ce que ce sera la même corne que parce qu'il ne faut pas. Est-ce que tu oui. as envie d'aller gagner 10 cornes? Je ne sais pas, mais en tout oui, cas. Il faudrait que tu fasses attention. Oui, tout à fait. Mais après, voilà, c'est ça. Après, parce que corne, c'est roi. Oui, c'est ça. Oui. Donc est-ce que là, tu vas vers roi? Parce que tu peux glisser facilement. Oui, oui. Non, mais ça. Ce qu'il veut faire, ce qu'il a dit par rapport à ça, c'est simplement avoir la matière première. C'est ça. Il a dit, après, effectivement, ça revient un peu. Tout le temps, cette étude va lui servir. Un moment, il va entendre parler de clone ou de clairon. Il va se rappeler qu'il avait vu ça dans la trompette. Donc, il va essayer de voir si ça va. Parce que toi Marie-Hélène, je pense que ton avantage, c'est que tu es en capacité aujourd'hui de faire beaucoup de liens. Par exemple, tu dis, tu fais l'étude sur le dénombrement. Et tu fais une différence qui te fait 2520. Cela sous-entend que tu connais les 2520. Et c'est plus tu connais de choses, et plus tu peux faire de liens entre les choses que tu connais. Mais je veux dire, si tu ne connais pas 2520, tu vas dire, bon, mais il y a 2520, je te donne la parole, Eric. Et de toute manière, ça va être bientôt la conclusion. Donc, voilà. Moi, ce que je voulais faire, c'est de rassurer les gens sur... Bon, il y a deux écoles. Il y a l'école qui est de dire, la Bible, on en a fait le tour. Il faut qu'on aille ailleurs maintenant que la Bible. Vous connaissez cette tendance-là. C'est-à-dire de dire, la Bible, on peut la mettre à côté, il faut aller dans la philosophie, dans le truc. Et je veux vous montrer qu'en fait, non, on n'a pas tout utilisé dans la Bible. On est même peut-être au 10%. Il y a une marge de manœuvre et il faut, je pense qu'il faut encourager le peuple de Dieu à s'exposer à la Bible, à aller chercher dedans, à aller fouiller. Et il faut dire, ah non, c'est trop profond, c'est trop profond, je vais me perdre. Non, il faut faire confiance à Dieu pour inspirer les uns les autres à leur niveau pour pouvoir un petit peu faire un état des lieux. Et après, nourrir une pente. Tu sais, avec cette base-là, ça, on peut aller dans plusieurs directions. C'est vrai. Mais ça veut dire que plusieurs personnes peuvent, avec cette matière première, alimenter leur propre étude. Et moi, je dis toujours comment rassurer les gens pour faire leur propre étude. Parce que c'est ça, on nous a rendu fainéants pendant des années à boire à une seule source, ou même à deux sources. Ils ont à dépendre de quelqu'un. À dépendre de quelqu'un. Et donc, je pense que un enfant peut faire une étude. Il dit, mais voilà, moi, c'est ma logique, j'ai trouvé ça. L'enfant peut le faire. On peut le faire aussi en tant qu'adulte. Et même quand, en balbutiant, eh bien, on peut investiguer, quoi, en fait. Et en investiguant, c'est dans ce brouillard-là, ça, enfin, dans cette masse d'informations, que l'esprit peut peut-être nous conduire. Tu voulais dire quelque chose Oui. Mathurin, tu voulais dire quelque chose Eric.
Oui, je vais. 5. L'hébreu, c'est une langue comme le français. C'est vrai que parfois, on n'emploie pas toujours les mêmes mots, mais mm-hmm. on parle parfois de la même chose. Mm-hmm. Et quand on prend, en tout cas en 8 secondes, les deux premières fois qu'on a le mot trompette, Exode 19, 13, verset 16, c'est dans le même contexte, c'est toujours la même trompette. Et ce sont deux mots strong différents. Et la parole, c'est que on peut, il y a des champs lexicaux, il y a des synonymes, et on peut rattacher des textes, dire voilà, ça va être la même chose, même si c'est pas du tout le même mot en fin de compte. Mm-hmm. Parce qu'il aura pas le même sens. Mm-hmm. Et déjà, ne serait-ce qu'on aurait un souci si on voulait être hyper rigide à toujours garder le même, la même trompe, mm-hmm. parce qu'on pourrait jamais faire de parallèle entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Déjà. Parfois, il y a des notions, par exemple, en anglais, ils vont toujours te mettre flood pour inondation, déluge. Mmh. En grec et en hébreu, tu auras plusieurs mots. Mmh. Et en français aussi. Mmh. Et parfois, tu fais ta recherche de déluge en anglais, ça permet bien de trouver tous les passages qui traitent du même concept. Mmh. Mais tu n'auras pas la bonne précision. Mmh. Par exemple, parce qu'une fois, il y a eu problème. Et justement, je vais voir les strong. En français, j'ai bien plusieurs mots. Mais en anglais, ils avaient toujours flood. Mmh. Je dis, non, ça, c'était pas, ça n'allait pas. Et ça, c'est parce que c'était adapté à leur langue. Et je suis allé voir, en fait, pour le déluge en hébreu, le déluge de Noé, il y a bien un mot. Mmh. Pour les autres inondations, tu as un autre mot. Mmh. Mais malgré tout, quand tu as le fléau débordé qui passe, qui est le roi du Nord, qui détruit Israël ou Juda, bah, c'est le même concept que le déluge de Noé. Mmh. Mais ce n'est pas la même ampleur. Donc on peut toujours rattacher les mêmes concepts. Et ça ne va pas être le même numéro strong. Ok. Donc, ça pour dire. Aussi, attention, c'est une aide, mais. Enfin, les strongs sont une aide, mais. C'est un équilibre aussi. Être trop lâche nous amènera dans n'importe quoi, mais être hyper psychorigide, hyper étroit d'esprit. Ça nous fait éliminer les On va sortir. Et même en français, on peut se rendre compte, parfois, on peut tordre totalement le sens d'une phrase. Mmh. Non, moi, j'ai un peu une blague pour ça. Moi, je sais comment changer le sens d'une phrase. Il suffit de la traduire en hébreu. Ah oui, le sens d'une phrase en français, c'est de gauche à droite, et en hébreu, c'est de droite à gauche. Mmh. Moi, je viens de changer le sens du mot sens. Mmh. C'est pourquoi les moines disent que dans le commentaire biblique sur Pierre, ce sont Dieu n'a pas inspiré les mots, en fait. Et ça, c'est choquant pour nous. Parce qu'on a une approche justement très littéraliste, très mot. Elle dit que ce sont les auteurs qui sont inspirés. Et si nous, on ne se met pas en contact avec le Saint-Esprit qui a inspiré ce texte, on passe à côté, même si on est dans le mot à mot. Les mots étaient clairs, ce ne sont pas les mots qui ont été inspirés, et c'est choquant. Mais ce sont les auteurs, avec leur culture, avec leurs erreurs, avec leurs anomalies. Et il y a des erreurs dans la vie. Mm. C'est pas grave. Dieu fait en fonction de nous, notre humanité, de nos faiblesses. Mm. Ok, mais je crois que c'est l'heure de conclure. Je vous propose de. J'ai voulu perdre personne ce matin, simplement essayer, peut-être maladroitement, de vous donner confiance en la Bible. Confiance dans l'Écriture, confiance peut-être en l'Esprit de Dieu que vous pouvez réclamer et qui peut vous conduire dans un labyrinthe à trouver la bonne sortie. Mm-hmm. C'est ce que j'ai essayé de faire humblement. Je ne sais pas. En tout cas, pour moi qui suis un petit. Voilà, là par exemple, ben, je vois. Moi, chauffard, tu vois, trompette, j'ai toujours vu chauffard. Pour moi, je n'imagine pas. J'ai jamais imaginé un autre style de trompette pour ce temps-là, cette période-là. Or là, on voit que ça n'est pas que le chauffard. Donc pour moi, ça m'a quand même appris quelque chose que les strong peuvent te montrer différentes. Après, comme le disait Germain, il faut lier chaque mot à un texte biblique. Oui. Et regarder dans le contexte dans lequel il est. Et se méfier des films. Et quoi? Et se méfier des films. Et effectivement, se méfier des films, comme dit. Parce qu'il y a plein d'inexactitudes qui sont balancées là-dedans et ça nous en dernière. Est-ce que nous pouvons prier? L'Éternel, nous voulons te remercier de nous donner confiance en ta parole, confiance en ton Esprit Saint, Seigneur Dieu, qui peut nous conduire dans la vérité, dans toute la vérité. Et c'est un champ immense, Seigneur Dieu. Ne voulons pas être étriqués, ne voulons pas non plus être trop larges d'esprit, mais nous voulons simplement, Seigneur Dieu, nous laisser conduire et te laisser imprimer, Seigneur Dieu, cette vérité en nous. Nous devons reconnaître
en son et savoir quoi faire, Seigneur Dieu. Nous sommes à un moment crucial où nous avons peut-être perdu confiance en nous-mêmes, perdu confiance en ta guidance, Seigneur Dieu. Et nous voulons, Seigneur Dieu, reprendre confiance. Nous voulons te réclamer ton Esprit Saint, afin que dans la lecture de la Bible, dans nos études, dans nos réflexions, Seigneur Dieu, et dans nos méditations, nous puissions, tu puisses imprimer ton Esprit en nous, et ainsi découvrir les merveilles que tu y as cachées pour nous, et que tu désires ardemment de nous révéler. Que ta paix, que ta grâce soit sur nous. Et permet que ce thème de la trompette, Seigneur, nous soyons sensibilisés, et que nous puissions, que ta servante Manuela puisse élaborer, Seigneur Dieu, dessus, avec ton Esprit Saint, Seigneur Dieu, conduis-nous à unité de pensée, à unité, Seigneur Dieu.